Re-bonjour à tous et à toutes, ici le maîtresse d'Etna Privé. Donc aujourd'hui on va un peu jouer à Minecraft. Comme vous voyez, j'ai trouvé un bon logiciel, très pratique en tout cas jusqu'à maintenant. J'ai essayé, il fonctionne super bien, il est fluide et tout. Le seul problème c'est que vous avez le titre, donc ça fait de la pub automatiquement en marquant action sur le dessus. Mais hélas, j'ai pas les sous pour le moment, je sais pas l'acheter pour l'instant, donc moi en tout cas je m'en fiche un peu, ça me va. C'est pas comme si le titre prenait tout l'écran non plus. C'est vrai que c'est un peu gênant, mais au pire on s'y habitue quoi, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui compte c'est que ça puisse fonctionner. Bon, en fait ici je suis dans le mauvais endroit parce que le but en fait c'est pas ici que je devais aller. Donc vous avez mes petits chiens là, tout mignons, et quand on fait ça. Oh, Dudu. T'as pas faim? Ah, le bouffe. Non? Et toi, t'as pas faim? Ah, lui, il avait faim. C'est trop mignon. C'est trop mignon, ces chiens. Donc, je suis Desna de... Donc, je vous montre ma tête. Voilà. Bon, moi, j'ai à voir un petit parce que je filme l'écran de loin. Et ça permet de, voilà, je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Donc, ici, en bref, j'avais des trucs prévus. Ah, ben, il est là, le note, machin. Donc, on va regarder, hein, qu'est-ce que j'ai de prévu. Donc, encore désolé pour... Pour le problème d'action, là, qui est mis, là, ici. Enfin, vous voyez pas ma flèche, mais je pense que vous ne voyez pas ma flèche. Mais si vous la voyez, j'entoure ici, quelque part ici, le truc action doit être marqué. Taisez-vous! Il doit être marqué et du coup c'est un peu gênant parce que voilà, du coup ben, ça gêne un peu. C'est le seul souci. Mais sincèrement, s'il nous laisse enregistrer entre 15, 20 épisodes tout le temps et qu'on a au moins autant de temps ou 30 minutes maximum à faire avec le truc action marqué. Sincèrement, c'est pas très grave parce qu'avec la qualité qu'il nous offre et la fluidité, sincèrement, c'est rien du tout. Et de toute façon, ce sera comme ça. Tant pis, je ferai de la pub comme on dit, mais de toute façon, il le mérite de tout parce qu'il fonctionne super bien. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'avais tenté, il fonctionnait bien. Bon, vous étonnez pas de base, je rame un peu quand même malgré tout. Donc, faire donc voici mes objectifs. Donc je dois faire objectif. Bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un haut ici en fait. Ouais, tant pis. Faire un champ cultivé de cultivation dans le désert. Donc j'ai prévu de faire un champ de cultivation dans le désert comme les nomades et tout, donc les PNJ. Construire une pyramide dans ce désert. Récolter des rubis, faire des trocs avec des villageois, ça peut être intéressant. Faire des élevages d'animaux. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas encore terminé. Donc il faut jamais signer, il faut marquer terminé quand vous avez fait, parce que si vous marquez signé. Ben, je pense que je suis pas sûr, hein, mais je pense que du coup après vous savez plus l'employer parce que vous savez plus modifier le livre. Après vous pouvez me dire dans la description si c'est ça ou pas. Donc vous voyez un peu ma demeure, elle est belle, hein. Donc voilà. Bon, après je sais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de base. J'ai même plus d'idées. Tu sais, mec qui... Putain, mais mon écran il est sale, il est pointilleux. Enfin, je veux dire, il y a bien des taches sur mon écran. Ça prend des saletés, ce truc. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, ces petites vidéos détente de Minecraft. Après, j'espère que la qualité et la fluidité sera bien. Moi, j'ai mis à 30 FPS. Je vous explique pourquoi. Ah, 16, il marque. Donc ici, il me marque 20, 25, 16, 23 et ainsi de suite. Mais je vous explique pourquoi. Parce que si je mets à 60, ça rame. Mon ordinateur n'est pas assez puissant pour 30, 60 FPS. Du fait que dans le jeu, je tourne à, je vous montre, option. Regardez à quel niveau je tourne. Ah non, c'est pas ici. Je me suis gouré.
Sinon, c'est là. Option graphique. Regardez, moi, je tourne aussi à 30 SPF, FPS par seconde dans le jeu aussi parce que j'ai une version très. J'ai un PC, c'est un PC portable, HP. Donc, il n'est pas. C'est pas un PC de malade. Donc, j'ai mis graphisme rapide, éclairage. Éclairage adouci. Je ne sais pas si éclairage adouci, ça prend ou pas. On va dire non. Taille de retour automatique interface, ça va. Nuage non et ainsi de suite. Donc en fait, je rappelle. Ah oui, quand même, ça fait mal aux yeux là du coup. Ah ouais, ça éclate tes yeux là. Mais n'empêche, je pense que. Voilà, du coup, ça prend peut-être un peu moins d'SPF. Attendez, parce que vous allez avoir les yeux qui vont exploser là. On va juste diminuer la luminosité, hein. C'est simple. Pas besoin d'éclairage pour autant de ça. Quoi? Luminosité n'a même pas baissé. Taisez-vous! Bizarre. C'est quoi cette bêtise? Je règle la luminosité, elle ne baisse même pas. Je suis pas fou quand même. C'est la luminosité, on est d'accord. Sombre. Bon, ça change rien. Toujours aussi fort. Ça ne va pas. Rien ne va plus. Ce graphique, on va remettre 37%. Ah non. Non. Minimum. Ça fait quoi? Ah, fils de. Pardon. Ouais, voilà, c'est bon comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou au pire, le réglage d'adoucissement du graphique, de lumière, on va vraiment le mettre au maximum, mais c'est le seul qu'on laisse au maximum, quoi. Parce qu'il faut que la qualité soit belle. Voilà, donc le réglage de truc est au maximum, hein. Donc moi j'aurai toujours des petites chutes d'SPF parce que voilà je suis pas. D'ailleurs je vais passer un truc. Parce que la dernière fois j'avais passé en mode il me semble. Non, je suis en difficulté normale. Parce que la dernière fois j'ai dû faire un truc important pour régler justement les FPF et tout. Donc pour éviter qu'on m'ennuie. Je suis pas passé en game mode forcément, mais j'ai dû vérifier si on était bien en peaceful ou en normal pour pouvoir. Pour qu'il y ait des mobs quand même qui apparaissent et que ce soit pas la promenade genre YOLO. Bon, on se comprend. Donc vous inquiétez pas pour les minutes. J'ai réglé le temps avec action. Automatiquement, il arrêtera à 14h45. Donc je ne dépasserai pas le temps limité du truc. Donc ça rame un peu, mais ça c'est normal. Ça rame aussi chez moi. C'est mon jeu qui rame comme ça. Comme je vous ai dit, les FPS sont pas terribles. Ah. Je pense que c'est la map qui charge, en fait. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu recommencer une partie depuis le début, avec tout et tout. Ouais, mais le problème, c'est que je dois d'abord tester pour voir si ça fonctionne bien, le logiciel. Et si ça fonctionne bien, donc ce sera plutôt un test, celui-ci, un test de vidéo, parce qu'il faut que je sache si laquelle. Donc ici, vous voyez là-bas les biomes jungle, je ne peux pas y aller parce que je rame de trop. Donc ça, je fais demi-tour. C'est la seule chose où je n'irai pas, c'est les biomes jungle, parce que les biomes jungle, je rame de trop, mon PC n'est pas assez puissant pour aller là-dedans. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc pour éviter que ça rame, justement, je ne dois pas aller dans les biomes jungle. C'est mieux, c'est pour éviter justement le problème de lag avec les biomes jungle. Et puis après tout, 30 FPS, c'est très bien. C'est très bien pour les jeux. Après, il y en a des qui font des 60 FPS, mais je veux dire, c'est rare, quoi. C'est très rare quand même. Regardez, la nuit va tomber. Je vais vite aller rejoindre mon doux ascension, ma nuit, ma zone. Hop.
Tais-toi, andouille. Donc voilà, c'est super sympa, je trouve quand même de jouer, d'enfin trouver un bon logiciel qui fonctionne. La plupart du temps, il a marqué jusqu'à 16 FPS par seconde, donc ça va quoi, ça passe. Je veux dire que ça va un peu ramer de temps en temps, mais c'est pas la mort quoi, c'est pas comme les autres logiciels qui filment mal. Parce que excusez-moi, j'avais des logiciels qui filmaient mal. Et je peux vous dire que c'était de la merde. Après, il y a peut-être une technique pour tricher, pour redimensionner et cacher le truc. Il y a peut-être moyen, en mettant le mitresse à la place, ou je sais pas, ou en mettant un truc noir, mais bon, c'est débile. Ça me dérange pas, moi, que ça fasse un peu de pub pour la personne. Et puis, c'est pas un choix. C'est choix. Le mec, tu sais, il sait pas parler. Soit c'est ça. Donc, du coup, je vais pas avoir 30 SPF, 18, enfin, une bonne fluidité par rapport aux autres jeux et une qualité en haute définition parce que la qualité est super. Ou soit, enfin, en tout cas, ici, la qualité, j'ai regardé la vidéo, elle était super, elle était en haute définition, elle était magnifique. Ou soit, je prends la normale, donc, je prends avec un truc où on voit rien, où on a peu de minutes, et le truc ne marche pas quand on enregistre, que ça fonctionne pas. En fait, j'ai le choix. Soit je pirate un truc, je me prends un virus, donc je prends un risque de pirater Fraps, entre guillemets, ou autre, j'ai jamais piraté rien, et je sais pas pirater, mais je veux dire, craquer, prendre un télécharger un logiciel via Mediafire, un logiciel craqué, comme Fraps, et risquer d'avoir un virus, parce que, ou alors que ça fasse planter mon PC parce que le logiciel a été craqué, donc du coup il y a peut-être des bugs de script ou je sais pas moi. Je suis toujours inquiet dans ce sens là. Enfin en tout cas voilà, il y a des bugs. Ou soit j'emploie ce logiciel là. Donc nickel, mon PC ne plantera pas. Tout va bien. C'est le plus beau. Tout va bien dans le monde. Et mais par contre, le petit souci, c'est l'action qui est marquée, la pub qui est marquée en haut. Mais tant pis, ça on s'en fout, au pire c'est pas très grave. Je veux dire, c'est mieux de faire des vidéos avec le truc action qui se montre, mais avec une bonne qualité, on voit quand même, je veux dire que c'est pas comme s'il était en plein milieu d'écran, que une vidéo où tu as une mauvaise qualité, au moins t'as rien, mais t'as une mauvaise qualité, quoi. Excusez-moi, mais voilà, il faut bien employer un logiciel un jour ou un autre. Donc j'ai pas le choix, en bref. C'est pas ma faute si ça ne marche pas. Après, comme je vous ai dit, je peux pas faire autrement. C'est pas ma faute si je n'ai pas le choix. Donc on se trouve enfin dans une grotte. Bon, je rame un peu du cul. Vous inquiétez pas, chez moi aussi ça rame un peu, c'est parce que la grotte charge à mon avis. Je vois qu'on est à 13, donc je saurais pas tout. Ah, ça y est, je sais plus reculer, j'ai la flemme. Je sais que c'est S pour reculer, mais j'ai la flemme. Donc voilà, je vous propose vraiment ce logiciel, même si dans un sens, il vous montre tout, quoi. Du coup, vous voyez tout. Enfin voilà, le logiciel en train de montrer tout le système. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à tout de suite. Au cas où si ça coupe, j'en referai une autre tout de suite. Vous aurez deux épisodes. Et bye bye, je vous dis à plus.